Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo qui sera pas exceptionnelle mais que j'attends depuis un sacré moment. Donc là comme vous pouvez le voir, je suis avec mes maïs. Le vent les a tous décapités, ils sont tous dégueulasses, je sais. Mais bon, j'ai pas fait exprès. Donc voilà, tout simplement. Et il faut que je regarde, vous voyez, il y a plein de bêtes qui me les ont bouffés. Ils sont tous explosés, mais bon c'est pas grave. Ah, ok. Ouais, bon, ben ce week-end, il faudra ramasser du maïs, ouais. Et je vais refaire le grain. Parce qu'en fait, là-bas, c'était de faire du maïs grain. Voilà. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Et voilà. Allez, à tout. Donc, les gars, pour vous dire un peu mieux, donc là, je marche direction poulailler. J'ai pas beaucoup de batterie sur le tel, et comme il fait un peu froid, j'ai pas ça de décharger un peu, donc voilà. Ah, si, écarte-toi. Donc, je suis avec lui, là, pour qu'il m'aide un peu. Donc, on va amener les 4 cocos, c'est-à-dire l'oie, le jar. Le mâle colvert, la femelle colvert, sachant que normalement c'est pas encore fait les gars, mais peut-être que je vais acheter une canne colvert, donc une canne de plus, parce que apparemment ça marche pas par couple les colverts, mais plus enfin ça peut marcher aussi par couple, mais par pour plusieurs bêtes. Donc là les gars, c'est complètement inondé, c'est dégueulasse, mais bon, je fais comme je peux. Donc voilà, il a bien plu hein, les gars, le bidon de flotte est rempli, sachant que je l'ai vidé hier. Bon les gars, on se retrouve quand on est prêt pour partir. Bon les gars, là on est en train de les mener. En fait, on va les amener à une grosse mare géante. Enfin géante par rapport à ce qu'on a nous, c'est géant, oui. Et c'est tout là-bas par les prés. C'est tout ce que j'ai, c'est gigantesque. Ouais, non, pas tant que ça, mais... Et du coup, bon, on va tous les mener en troupeau comme ça. On va passer par les prés, on va faire un bout de route par les prés, enfin, faire un peu de tout, n'importe quoi. Donc là, on est en train de quitter le village, voilà. Allez, à toutes. Ah, donc là, les gars, on est par un pré. Le village est là-bas. Et en fait, nous, on va aller monter là-bas. On a fait un peu moins de la moitié. Mais bientôt, là, quand on sera au travail, un peu avant le travail, on aura fait la moitié, c'est-à-dire là-bas, là. On va les faire passer là-bas, puis après, on va les faire passer là-bas, puis après là-bas. Et puis la mare en fait elle est là-bas, mais quand il y a des buissons on est obligé de les faire, voilà. Passer par le travail, voilà. Tout simplement. Sinon ils obéissent vraiment beaucoup. Ils connaissent pas, donc en gros ils sont un peu guidés par nous. Mais bon, tant mieux. Voilà, voilà. Bon, là, on se retrouve quand ils y sont par là-haut. Là. Enfin quand ils sont avant d'y aller. Donc là les amis, la mare est juste là. Excusez-moi pour le soleil. Excusez-moi un peu pour le vent. Ils pensent qu'à bouffer, à boire, tout ça. Donc en fait, il y a de plus en plus d'eau, parce qu'on s'approche de plus en plus de la mare, et quand elle déborde, ben voilà, ça donne des trucs comme ça, et ça descend par le pré là-bas. Et donc le village, il est tout là-bas. Et eux, ils viennent du fond du village, par là-bas, après la maison. Mais donc là, ils sont super contents. Attends, fallait pas courir, Racine. Bon, on se retrouve quand ils sont dans l'eau. Bon, on va se noyer, n'importe quoi. Allez, bon, bref. Bon, les gars, là, on arrive dans les mini-mares. Donc ça fait des petits trous d'eau comme ça, là et là, et un peu là. Donc là-bas, la grosse, c'est là-bas, là. Attends, laisse-les faire un peu, là. Attends, je capture quelques photos. Gère-toi, je prends des photos. Putain, il est con, lui. Mais oui, on a compris. Arrête, écarte-toi, mais c'est pas grave. Ah, les gars, ils sont vraiment magnifiques. Putain. Attends, je vais de l'autre côté parce que... Et ça, en fait, les gars, j'avais un projet. Mon père, il voulait faire une mare pour bien faire, pour ses bêtes et tout ça. Mais moi, j'aurais préféré y mettre des bêtes à moi, des canards, tout ça. Et en fait, s'il aurait pas eu l'autorisation pour le faire, j'aurais bien clôturé 2 mètres tout le tour, là. Bon, les gars, le problème, c'est qu'il y a de l'eau que l'hiver. Et en fait, il n'y a pas d'eau l'été, tout simplement, parce qu'en fait, c'est du rocher. Ah, les gars, ils sont magnifiques. Bon, les gars, c'est déjà la fin de la vidéo parce qu'il faut que je capte quelques stories Facebook. Donc voilà, le problème ça va être pour les sortir de là. Allez, voilà. Salut. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Voilà. Allez, les gars, je vous fais confiance. Allez, salut.